Petit exercice de numération Maya. Les élèves viennent au tableau compléter les écritures manquantes en plaçant les symboles appropriés dans les emplacements vides. L'image du carré Maya disponible sur le site des Mediafiche a été téléchargée dans son espace de travail. Il est nécessaire de l'insérer dans une page du tableau. On lance le logiciel Smart Notebook. Dans la barre des menus, on choisit Insérer puis Fichier d'image. On parcourt son espace de travail pour sélectionner le fichier carré-maya.tif. On redimensionne et on replace l'image de façon à laisser de l'espace pour les autres éléments en haut et à gauche de la page. Pour le titre, on prend l'outil texte et on tape le titre de l'activité. La zone de texte étant toujours active, on sélectionne tout le texte pour en modifier les attributs. Police Arial, taille 20, mise en gras, couleur noire. On prend l'outil sélectionné et on place le titre en haut de la page. Le texte de présentation peut être tapé au clavier ou tout simplement copié-collé à partir d'un autre document. Dans la barre d'outils, on prend l'outil texte et on affiche les propriétés. Pour le style de texte, on choisit la police Arial et la taille 14. Dans style de ligne, on choisit la couleur noire. Ces attributs seront conservés jusqu'à la prochaine modification. On tape le texte. La zone de texte étant toujours active, on la place à gauche du carré Maya et on la redimensionne. On clique au-dessus du carré Maya pour taper la consigne de l'exercice. On prend l'outil sélectionné et on place plus précisément la consigne dans la page. Pour éviter que les éléments ne bougent lorsque les élèves viendront faire l'exercice au tableau, on verrouille l'ensemble des éléments. Pour cela, on sélectionne les textes et le carré Maya, maintenant enfoncez la touche CTRL. On clique sur la flèche de menu de l'un des éléments sélectionnés. Puis, dans le menu contextuel, on choisit Verrouillage, puis Verrouiller en place. Chez les Maya, le 0 est symbolisé par une carapace de tortue. L'image correspondante est un fichier qui a été sauvegardé dans le même dossier que l'image du carré Maya. Dans la barre des menus, on choisit Insérer puis Fichier d'image. On insère le fichier tortue.gif. On place l'image dans l'une des cases du carré Maya et on adapte sa taille. Puis on positionne l'image au-dessus du carré Maya. On prend l'outil Forme. On choisit un cercle et on affiche les propriétés. Pour style de ligne, on choisit la couleur rouge. On ferme la barre d'outils contextuels qui masque la partie supérieure du panneau des propriétés. Dans effet de remplissage, on choisit la couleur rouge pour le remplissage des aplats. On se place sur un point rouge de la grille pour tracer un cercle de dimension identique. Avec l'outil sélectionné, on adapte son diamètre, puis on place l'objet à gauche de l'image de la carapace de tortue. On reprend l'outil forme et on choisit cette fois-ci un rectangle de couleur rouge. On trace un rectangle exactement au-dessus d'un des éléments de la grille, puis on le place entre le point rouge et la carapace. Les symboles devant être plusieurs fois placés dans la grille, on utilise la fonction cloneur à l'infini. On sélectionne le point rouge et on clique sur la flèche de menu. Dans le menu contextuel, on choisit cloneur à l'infini. On recommence avec le rectangle et pour l'image de la carapace. Pour légender les symboles, on reprend l'outil texte et on tape sous les symboles les valeurs 1, 5 et 0. Les attributs de texte définis précédemment ont été conservés. Après avoir repositionné plus précisément les légendes, on sélectionne les trois zones de texte et on les verrouille en place.
Avant de tester le bon fonctionnement de l'exercice, on l'enregistre. On clique sur « Enregistrer », puis l'on donne un nom significatif au fichier Netbook. La fonction cloneur à l'infini permet une exécution confortable de l'exercice. Si les élèves se trompent, il suffit de sélectionner les objets clonés, puis de les supprimer. La grille peut, en fin d'exercice, être complétée au stylo. Il est même possible d'utiliser la fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite.